Coucou mes chéris, allô, c'est coucou mes chéris, allô, c'est coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la semi-découverte avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de WWF Raw pour la 1290e fois. Donc on va faire le combat le plus chiant one-on-one. One fall en easy. Ah, il select. Alors, nous avons... je sais pas si c'est Chris Jericho. Maintenant, c'est Mark Alex, je connais pas. The best that will be and always will be. Shawn Michaels, qui a trahi Bret Hart et qui a fait après le naïf. Alors, lui, j'aimais bien Razor Ramon. Après, je connais pas Diesel, je sais pas qui c'est. Doink, encore moins. Il y a que... Yoko, machin, The Undertaker. Alors l'autre fois, on va prendre Doink. On va prendre qui? Lui, j'aime bien lui. Start. Il y a un petit l'autre jour, il me dit au taf, il me parle d'un phénomène, je sais plus qui c'est, Alonso, il me dit c'est Alonso le phénomène ou je sais pas quoi. Alors moi, je lui ai rétorqué, le seul phénomène que je connais, c'est le Phenom, alias The Undertaker. Ben, le mec, il a pas pu... moucheté, il a fermé sa gueule. Alors là, c'est un jeu à des. J'appuie sur bas et B, ça fait coup de poing. J'appuie sur. Oh, oh d'accord, j'ai pas compris. Moi, j'ai tarte. Casse-toi! Réveille-toi du con, bon, tu te lèves le cul! Regardez, j'adore, j'ai déjà essayé, regardez, on va courir, regardez. Coup de pied dans sa gueule. Boum! Ah, ça l'a touché. On peut... Je comprends pas. Youhou, voilà. J'adore quand on fait ça, ça le touche pas. Voilà, on le fait dans le vide. Alors, quand on appuie sur B... Sur B et bas ou haut, ça fait coup de pied. Après, si j'appuie... Je sais pas, j'appuie... Là, je bourrine A et B en même temps. Et voilà, c'est moi qui me prends la suplex. Et après, le machin. Je ne comprends rien, ce gameplay. C'est horrible. Tous les jeux de catch, c'est comme ça. On comprend. Allez, bouge ton cul, réveille-toi, du con. Putain, tu parles d'un phénomène. Allez, boum. Voilà, là on se casse, c'est vraiment intéressant. Il y a un comté, hop. Pourquoi il est tombé tout seul? J'ai rien compris. Allez, lève-toi! D'accord. Bas avec B, avec A. Je comprends pas. Vite, lève-toi! Vite! Putain, je vais faire le sort. C'est moi qui voulais lui faire le coup, fais chier. Le vainqueur est Razor Ramon. J'ai fait exprès d'acheter ce jeu, je savais que j'allais me faire chier. On va essayer un survival. En easy. Alors j'ai que la cartouche en loose, 2€. On va prendre Doink. On va prendre Bret Hart. Shawn Michaels, en fait on va tous les prendre, non? Ça va être ça le bug. Allez. Je savais que ça allait pas me plaire, mais bon. Fallait bien prendre un jeu. Vu que j'achète quasiment plus rien en ce moment, je trouve rien envie de grenier. Hop là! Ah non, c'est quand on fait deux fois avant et A, il fait un coup de pied. Voilà. Ah, je sais pas à quoi ça sert. Si j'appuie sur A et O et bas en même temps. Je vais faire un Shoryuken, je comprends pas. Deux fois avant et A. Non, ça... Voilà. Moi, je veux mettre sur le... Non, je vais aller sur le poteau. Putain, on comprend. On peut pas faire un saut sur le poteau. Là, je tourne avec la droite et gauche, là.
Peut-être qu'il faut appuyer sur la flèche, je comprends. Ça fait des combats de chiottes, c'est pas possible. Dépêche-toi! Vite! Fais le tag team! Lâche-moi le cul! Non, non, ça veut pas. Ah non, regardez, c'est bizarre quand je suis en haut du poteau et que j'appuie sur Select, ça me fait automatiquement aller au milieu. Ah et ben en même temps, ça peut pas faire quelque chose? Là j'appuie sur la droite et non, c'était pas sur la droite qu'il fallait aller. Je ne comprends pas. J'ai pas cherché d'infos sur... Non, allez. Brise couille, je sais pas quoi là. Je comprends pas. Impossible à jouer à ce jeu. Donc je le recommande à tous et à toutes. Un coup, je sais pas pourquoi, j'arrive à me dégripper, mais j'arrive pas à faire quand on gagne ou quand on perde. Là, je bourrine A, je bourrine B, je comprends pas. Faudrait que je me filme mes mains pendant que je filme, quand je fais une review, pour vous comprendre ce que je suis en train de faire, parce que je ne comprends rien à ce jeu. On est ras le cul. Donc on va rendre l'antenne des studios, la super van au JDG. Qui fait toujours autant rire quand on est payé pour ça, avec un public de demeuré et des coupins hypocrites. Je parle du JDG. Bon, allez, casse-toi, attends, je vais en finir, ça me ras le cul là. Merci. Putain, un coup de genou dans les, en bas des vertèbres. Aïe aïe aïe. Quand on fait un coup de genou, on tape pas le genou contre genou, ça tient pas. Le coup de genou, c'est au niveau du cou. Il fait un coup de genou sur le cou, un truc dans le genre. Allez, réveille-toi, putain, 1, 2, 3, 0. Pense de fou de merde. Super, putain, c'était pas prévisible du tout, là. Et il se relève, ce con. Qu'est-ce que... J'ai pu me casser. Ah non, bon. Allez, on va faire comme à la bonne époque du rock'n'roll. A, B, Start X. Est-ce que ça peut... Voilà, ça réinitialise ce jeu de merde. On va se quitter sur ce superbe écran de titre. Sur ce, ciao Pupito pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces. Et dire que j'ai encore 30 jeux Game Boy de merde à vous faire, parce que j'en ai acheté plein il y a longtemps. Et il y a plein de merde, j'ai même pas envie de les faire. Donc c'est pour vous donner l'eau à la bouche. J'ai plein de jeux de billard, de cartes sur Game Boy.